Boischâtel, ça commence à être bien connu. Les citoyens ont reçu une carte des sentiers en début de saison. Mais c'est sûr qu'un site gratuit comme ça, où on peut faire du ski de fond puis de la randonnée ou de la raquette, dépendant des conditions, ça gagne toujours à être connu. Il y a des beaux paysages, on peut le voir, mais sinon, pour les sentiers, là, c'est... parlez-moi des sentiers, là, à quoi qu'ils ressemblent. On a 16 km de sentiers de ski de fond qui sont normalement entretenus. C'est des skis de fond classiques doubles. Il n'y a pas de pas de patin. On a aussi une dizaine de kilomètres de sentiers de randonnée où on accueille évidemment les gens lorsqu'ils vont faire de la raquette là, après une belle neige fraîche. Les gens peuvent venir marcher en botte aussi par la suite, puis même en vélo d'hiver. Et puis, pour le paysage, qu'est-ce qu'on peut voir de beau ici? Là, on voit une belle vue prenante sur la ville de Québec. Là. On pensait que c'était surtout à Lévis, mais là, on se rend compte qu'il y en a une belle à Boischâtel. Il y a des super belles vues ici. C'est sûr que lorsqu'on vient faire un tour à la frontale sur le Royal Québec, juste derrière le clubhouse, on a une superbe vue. On voit le château Frontenac à l'horizon. C'est vraiment un endroit impeccable. Mais on parle aussi de la rivière Ferré, qui est une belle rivière qui va passer juste au nord du golfe. On a un grand ruisseau. On a des dolines, des sections de terrain qui sont affaissées à cause des grottes qui sont ici à Boischâtel. Il y a des arbres matures de toutes sortes. C'est vraiment un paysage qui est exceptionnel. Il faut savoir que le golfe Royal Québec, c'est assez soigneusement entretenu. Donc, c'est vraiment un espace de 2 millions de mètres carrés. Il y a un 36 trous de golf qui est impeccable. Et puis, vous me parliez justement du club de golf Royal. Là. Quelle est votre relation avec eux? Il faut bien entretenir les sentiers, j'imagine, là, pour que le terrain de golf soit beau quand la neige fond. Exactement. C'est certain qu'on a des contraintes à respecter, mais qui sont pas, c'est pas nuisible pour faire des belles qualités de sentiers. Faut respecter les différentes allées, les verts, les greens. On a des endroits où on peut passer et d'autres où il faut éviter de passer parce que la priorité, c'est d'avoir un beau sentier de golf pendant l'été, les beaux parcours de golf pendant l'été. C'est leur mission ici. Ils nous offrent gracieusement l'espace. C'est un don à la municipalité de Boischâtel que le Golf Royal Québec fait depuis très longtemps. Je pense qu'on souhaite que ça continue, puis c'est pour ça qu'on fait vraiment attention aux contraintes qu'on peut avoir. Vous me parliez de la lampe frontale pour que les gens comprennent bien à la maison. C'est possible de venir ici le soir, c'est ça? Absolument. Les sentiers, c'est un sentier qui est accessible gratuitement. S'il y en a qui veulent venir ici le soir, c'est certain que c'est préférable de connaître les sentiers, de les visiter auparavant pour éviter de s'égarer, éviter d'avoir des mésaventures. Mais oui, absolument. Pourquoi pas? C'est le fun. Puis vous me parliez, le sport de la raquette, c'est un sport qui se développe, là, parce qu'il y a le ski de fond, mais il y a aussi la raquette. Là. On a ajouté des sentiers de ski de fond il y a 3 ans, lorsqu'on a commencé à faire les sentiers nordiques. Autrefois, il y avait des pistes de ski de fond qui étaient entretenues par des bénévoles. Depuis 3 dernières années, c'est nous qui sommes là. On a ajouté des pistes de randonnée. Ça évite aux gens de marcher sur les pistes de ski de fond, donc on garde un meilleur entretien. Mais en même temps, on constate une recrudescence des gens qui veulent prendre une marche ou simplement faire de la raquette pour relaxer puis profiter du paysage. Donc, beaux environnements pour faire ça, juste à côté, à peu près à 1 km de la majorité des maisons qu'on peut trouver à Boischâtel. C'est vraiment une place superbe. Ouais, pour décompresser de son quotidien, là, c'est notamment une belle place. Sinon, êtes-vous satisfait de l'achalandage cette année? Cette année, c'est sûr que ça augmente tranquillement, pas vite. Avec l'envoi, comme je disais tout à l'heure, des cartes aux citoyens de Boischâtel, les gens ont appris à connaître qu'il y avait d'autres sentiers qui sont apparus. Puis il y a des gens qui ne le savaient pas ou qui le savaient, mais qui n'étaient pas venus depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'on a vu une recrudescence au niveau des marcheurs, au niveau des gens en raquette. En ski de fond, il n'y a pas eu tellement de recrudescence. C'est plutôt stable. Le ski de fond a eu une décroissance au cours des dernières années. On sent une vague qui est en train de revenir avec les événements de ski de fond qu'on voit dans le Vieux-Québec puis un peu partout, puis avec nos fondeurs qu'on connaît de plus en plus. Donc, c'est sûr que ça donne un coup de pouce au sport, puis éventuellement, c'est sûr que ça va revenir plus populaire. Et oui, pour vous aider, on pourrait peut-être souhaiter une petite victoire d'Alex Harvey. Là. On leur souhaite tous, surtout de s'amuser en faisant du sport. Puis ce qui est important, oui, c'est le fun de performer. On est fiers de nos athlètes qui performent, mais la santé, ça passe par des bonnes habitudes de vie, puis de faire des exercices, faire du sport, de la marche, de la randonnée, du ski de fond. L'hiver, il y a plein de choses à faire dehors. Il suffit de se donner, de se décider à y aller. Puis on peut avoir aussi chaud l'hiver que l'été. Est-ce que c'est destiné à monsieur, madame, tout le monde? Moi, j'en ai jamais fait de raquette. Est-ce que je me débrouillerai bien? Êtes-vous capable de marcher? Oui. Ouais, normalement, il n'y aura pas de problème. C'est sûr que si vous voulez aller à un niveau compétitif, il y a des associations canadiennes qui existent. Il y a un championnat canadien. Il y a des grands événements comme le pentathlon. Il y a le mammouth qui est un événement qui offre aussi un marathon de raquette qui revient ici cet hiver, le 11 mars, avec des départs au parc La Chute-Montmorency. Donc, la course en raquette comme telle, c'est un complément qui suit la popularité de la course à pied. Donc, oui, il y a une recrudescence de ce côté-là qu'on voit aussi. Parce que je comprends, quelqu'un qui fait de la course à pied, ça peut être intéressant de poursuivre sa saison l'hiver en faisant ça, puis ça lui permet de se garder en forme. C'est un entraînement qui est différent, plus musculaire. Je pense pas que ça va permettre aux gens d'être plus rapides ou plus forts nécessairement, mais disons qu'ils vont avoir une meilleure endurance.
C'est un très, très beau complément, mais en même temps, on comprend que quelqu'un qui fait énormément de course à pied va peut-être vouloir changer puis faire du ski de fond, par exemple. Ou quelqu'un qui fait du vélo va peut-être vouloir faire de la raquette. De croiser les sports comme ça, c'est toujours une bonne chose. Un entraînement complémentaire. Exactement. Mais ce qui est le fun de la raquette, c'est que ça peut se faire facilement en famille. Dès qu'un enfant sait marcher, peut marcher en raquette, on peut le traîner dans le en traîneau dans le pire des cas. Moi, personnellement, j'ai des super souvenirs. Quand j'étais tout petit, avec les parents, les familles, les grands-parents, on s'en allait dans le bois en raquette, puis on faisait un feu, on avait beaucoup de plaisir. Puis je pense que c'est encore possible de le faire avec des sites comme les Sentiers Nordiques. C'est un site de proximité, c'est un site qui est accessible gratuitement, donc accessible à tous les budgets. On souhaite, moi, dans mes valeurs, je souhaite que les gens apprécient l'hiver encore plus. Monsieur Lemieux, il a tombé beaucoup de neige cette année. Parlez-moi du défi que ça représente, justement, de taper toute cette belle neige-là. En fait, le défi, c'est pas tant la quantité de neige, mais le volume de chaque précipitation. S'il tombe beaucoup de neige, même 4, 5, 6 mètres de neige dans un hiver, ça peut se régler assez facilement. La difficulté, c'est lorsqu'il en tombe épais. Là, on a des 25, 30, puis avec le vent, des fois, on a des lames de neige qui vont ramasser 40, 50, 60 cm de neige. C'est lorsqu'on a des couches avec une grosse épaisseur, ils sont plus difficiles à compacter, ça demande plus de passage, plus de poids. Mais en même temps, il y a certains types de neige qui sont difficilement compactables ou trop malléables, où la neige est très, très sèche et elle va s'affaisser même après les traces. Donc, une trace de ski de fond qui est normalement une forme assez carrée va devenir comme des dalots sur le côté d'une allée de quilles, ce qui fait que le parcours a une qualité qui semble usée dès notre passage. Donc, le défi, c'est la quantité à chaque précipitation et non pas la quantité totale qu'on a au cours de saison. Il y a aussi beaucoup de changements climatiques, c'est les changements d'état de la neige que je comprends aussi. Là. Exactement, le soleil va réchauffer la neige, va la faire fondre un petit peu, ça va la cristalliser dépendant du type de flocon puis du type de densité qui est déjà au sol. Est-ce que ça va avoir une bonne pénétration? Est-ce que ça va durcir, ça va geler là? Est-ce que ça va rester ferme? Est-ce qu'on peut le travailler? Est-ce que c'est trop lourd puis ça coince dans nos équipements d'entretien? On n'a pas un équipement d'entretien avec un BR ici comme on retrouve au Mont-Saint-Anne ou sur les plaines d'Abraham par exemple, parce que sur le golfe, on a une contrainte de poids qu'on veut respecter pour éviter d'avoir un impact négatif sur le gazon qui est en dessous. Il faut vraiment le protéger, qu'il y ait assez d'oxygène à travers toute la neige sous laquelle on se trouve. Donc, avec un équipement qui est plus léger, on utilise un VTT avec des chenilles et un appareil, un conditionneur qui est inspiré d'un modèle qui est populaire aux États-Unis. Bien, ça nous permet d'aller, un, dans des sentiers qui sont plus étroits, qui donnent un peu le cachet de ce qu'on retrouve aux sentiers nordiques. C'est pas une autoroute très large, c'est un sentier étroit où on se retrouve vraiment en pleine nature, enveloppé de la nature. Et ça fait partie de la recette qu'on veut offrir ici. Parce qu'on pourrait s'attendre à des grosses machines, mais c'est vraiment des machines comme on voit ici, là, des petites machines qui vous permettent de faire des sentiers étroits. C'est ça la qualité de la machine. Oui, bien la machine, le fait qu'elle est légère nous permet d'aller partout. On n'est pas coincé. Un VTT avec des chenilles comme ça, c'est pratiquement inarrêtable. Quand tu cales, on détache le conditionneur, puis on se fait une trace, on reprend, puis on repart. C'est vraiment une super machine. Pas besoin de grosse cylindrée, ce type d'équipement-là. Nous, c'est notre deuxième équipement de ce type-là, puis on est très, très satisfait. Et qui s'en occupe justement de l'entretien des sentiers? C'est moi. Personnellement? Oui, oui, c'est moi personnellement. Je fais à peu près tout de A à Z pour les sentiers nordiques. Il y a quelques bénévoles, des gens qui s'intéressent tranquillement, pas vite. Puis c'est une des choses qu'on souhaite faire. On veut que les gens s'impliquent davantage, qu'ils nous transmettent les conditions de sentier, qu'ils me transmettent leurs souhaits, où il y a des choses qu'on a oubliées ou pas. Hein. Lorsqu'on fait un travail, souvent, on finit par avoir des œillères puis avoir un peu trop le visage trop près, puis on voit pas certains détails qui peuvent agacer les gens. Donc, c'est sûr que plus on a de gens qui vont vouloir nous aider, soit en nous aidant via notre page Facebook, Les Sentiers Nordiques, de donner des conditions, leurs impressions, partager des photos, mais plus la communauté va être impliquée, bien, plus les gens vont être en mesure d'en profiter, puis mieux nous, on va être en mesure de réagir aussi en fonction des attentes des gens. Ça marche des deux côtés aussi. Quand les sentiers sont beaux, vous pouvez inviter les gens grâce aux réseaux sociaux. Oui, exactement. On a au-delà de 550, presque 600 personnes, si je ne me trompe pas, qui suivent notre page Facebook. La portée de nos messages est assez élevée. On est content de ça. Ça circule. Les gens le découvrent tranquillement pas vite. On a notre site Internet aussi. C'est via notre page Facebook qu'on donne les détails spécifiques des entretiens qu'on fait. On indique si les sentiers sont ouverts ou fermés sur notre site Web, mais les conditions spécifiques, qu'est-ce qu'on a fait en ajoutant des photos à ce moment-là. Là, on met ça sur Facebook. C'est quelque chose qui est facilitant. Maintenant, avec un téléphone dans notre poche, on peut presque le faire en même temps qu'on fait notre travail. En temps réel. Bien, on va vous souhaiter que l'aventure soit poursuivie. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ça m'a fait plaisir.